aussi une tâche du domaine des probabilités. Un couple désire avoir trois enfants, un fils et deux filles. Question, avec quelle probabilité leur vœu sera-t-il réalisé en supposant qu'ils auront trois enfants? À la première naissance, il y a ou bien une fille ou bien un garçon. Comme il n'y a pas de données statistiques, supposons que les probabilités valent un demi et un demi. À la deuxième naissance, c'est de nouveau ou bien une fille ou bien un garçon, là aussi. Voici la troisième naissance, fille ou garçon. Donc, voilà toutes les issues possibles qui sont toutes équiprobables. Chacune de ces issues a comme probabilité 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 huitième. Selon le vœu du couple, voici les trois cas favorables. Deux filles, un garçon, deux filles, un garçon, deux filles, un garçon. La probabilité que leur vœu sera réalisé se calcule donc par le nombre de cas favorables, c'est-à-dire 3, divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire 8. La probabilité demandée est donc de 3 huitièmes et la tâche est déjà terminée.